Grands ingénieurs de demain, 1500 élèves de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard participent en ce moment à ce qu'ils appellent un crunch time, une sorte de table de travail gigantesque où l'on fait fumer ses neurones. C'est le plus grand rendez-vous du genre dans la région. C'est avant tout un exercice pédagogique d'innovation destiné à faire collaborer les étudiants avec les entreprises du tissu local ou national. Il y a plusieurs dizaines de thèmes puisqu'on a 160 sujets différents fournis par une soixantaine d'entreprises partenaires. Et l'idée, c'est qu'ils vont plancher, faire de l'idéation. Donc on n'ira pas jusqu'au prototype qui sera industrialisable, mais on ira jusqu'à des idées assez développées de produits, de procédés ou d'organisation, d'aménagement différents pour les entreprises au service de toutes les entreprises, petites ou grandes.